18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Aquilino Morel nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. La parabole des aveugles aux éditions Grasset. Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. C'est un livre que vous avez écrit il y a quoi, un an et demi, deux ans 7 mois. Bon, le temps passe vite. Le temps passe vite, mais c'est totalement prémonitoire. Vous n'avez pas de mots assez durs, Aquilino Morel, pour cette classe politique qui nous offre un spectacle assez surprenant, voire lamentable. Qui a la palme d'or pour vous de la lâcheté, de la combine ou du retournement de veste? Bon, on ne va pas rentrer dans... Ah, mais si, un petit palmarès quand même. Non, mais ce qui est important, c'est quand même l'avenir du pays. Oui. Qui est dans une situation pas seulement politique, mais économique, sociale, industrielle... Très grave. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné, et dans la période où nous trouvons, qui est quand même très particulière, puisque le président ne peut plus exercer son droit de dissolution avant un an, il faudrait qu'on arrive à trouver une forme de stabilité. Donc, soit le RN parvient à une majorité, qu'on trouve ça bien ou mal, condamnable ou souhaitable, au moins quelque chose se dégagerait. Il faut sinon parvenir à une majorité... Autre alternative, mais ça suppose qu'il y ait des résultats très en deçà de ce que l'on imagine aujourd'hui, avec une remontée de ce qu'on appelle le bloc central, qui paraît aujourd'hui quand même difficile. Et ensuite, viendra le moment le plus difficile, c'est celui de dire où s'arrête et où commence cette nouvelle majorité. C'est-à-dire qui j'accepte comme soutien et qui je refuse. Et c'est là où c'est fâcheux, si vous voulez, c'est que j'ai écrit ce livre pour mettre en garde contre le danger de l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée. Mais si on s'engage dans une période que l'on qualifie ainsi, pendant un an au minimum, cela veut dire que mécaniquement, les politiques fortes qui devraient être engagées en matière de déclassement économique, donc d'industrie, de réindustrialisation, de lutte pour créer des emplois, aider les agriculteurs, de lutte contre l'immigration, qui est un des moteurs essentiels de la progression du RN, et trois, de politique européenne, qui va les conduire? Pas cette majorité. Non. Donc, ce serait, même dans l'esprit de ceux qui souhaitent arrêter le Rassemblement national, en réalité, reculer pour mieux sauter, à un moment donné. Donc le pays est bloqué. Ce que vous nous dites, c'est que là, pendant un an... Non, le pays n'est pas bloqué tant que les électeurs ne se sont pas prononcés. D'accord. Tant que les citoyens n'ont pas voté. Donc on fait aujourd'hui... ça nous intéresse parce que c'est de la politique et que c'est utile aussi pour éclairer le débat. On fait des suppositions, des analyses, mais ce qui compte, c'est le vote. Le RN est arrivé en tête au premier tour dans 297 circonscriptions. C'est considérable, mais on comprend bien que pour gagner, il faudrait que dans ces 297 circonscriptions, pratiquement, il remporte à chaque fois l'élection, ou alors que dans des circonscriptions où il est arrivé deuxième, il gagne. C'est possible, mais ça n'est possible en réalité... que si les Français décident de prolonger la dynamique qu'ils ont donnée. Cette dynamique, elle existe depuis 20 ans. Malgré les consignes de vote, malgré les désistements, malgré tout ce qui s'est mis en place. Ils ont donné un sens très clair à leur vote aux européennes, au premier tour. Donc cette majorité pour le RN, elle ne peut se dégager, même relative, que s'il y a une dynamique. Moi, la dynamique, je ne la connais pas. Ce que je sais simplement, ce que je subodore, c'est que toutes les injonctions, les objurgations, les conseils, les sermons, tout ce que vous voulez, qui émanent des partis politiques, dans par ailleurs un contexte quand même de flou, si ce n'est de cacophonique, ne me paraissent pas de nature à influencer les citoyens. Le vote. Je pense qu'ils feront le choix qui sera le leur en conscience dimanche prochain et qu'ils n'écouteront pas forcément, voire pas du tout, ce qu'on leur dit dans les appareils politiques. Les états-majors politiques. Éric Revel, une question à Aquilino Morel. On a bien écouté votre analyse. Majorité absolue, sans doute pas. Donc, un gouvernement technique ou un gouvernement illégitime qui ne pourrait pas mettre en place les lois qui sortiraient le pays de l'apathie que vous soulignez. Il y a une autre hypothèse. C'est celle de la démission du chef de l'État, qui débloquerait la situation. Mais il y a une autre hypothèse avant. Non, mais... C'est une majorité relative suffisamment forte pour lui permettre de trouver un appoint à l'Assemblée et gouverner. Très bien, mais dans l'autre hypothèse, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui commence à s'inscrire dans la pensée, dans l'analyse, dans l'état d'esprit des Français ? C'est forcément déjà inscrit, puisque, enfin, soyons simples, on ne va pas verser dans la psychologie de bazar ou dans la psychanalyse pour les nuls. Mais à partir du moment où quelqu'un dit, en l'occurrence le président de la République, j'exclus ma démission... Mais c'est qu'il y pense. C'est déjà qu'il en parle, exactement. En parler, c'est déjà signifier que c'est possible. Une chose qui n'a pas qui n'a aucune chance d'occurrir, vous n'en parlez pas. Oui.
Donc, je veux dire que, évidemment, et par ailleurs, il y a une logique politique qui est que vous avez dissous l'Assemblée, vous avez obtenu un premier tour qui est quand même parlant, une majorité qui, dans le meilleur des cas, entre guillemets, serait une majorité, on va dire, introuvable et une assemblée ingouvernable. Qu'est-ce qui reste comme solution? Oui, on peut parfaitement attendre encore une année, voir si le président recouvre l'article 12 de la Constitution et peut dissoudre, mais vous voyez bien que, au bout du bout, si aucune des politiques qui permettrait d'arrêter la progression du RN n'est engagée, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que Marine Le Pen, qui est aux portes de l'Élysée, comme je l'ai indiqué en novembre, elle toque déjà la porte, elle finira par se la faire ouvrir. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est faire... on peut vouloir un gouvernement d'union nationale, mais il fallait le faire plus tôt. Il fallait le présenter avant. Quand le président avait 245 députés à l'Assemblée, il pouvait le faire. Et il pouvait dire, maintenant, j'ai 2-3 priorités nationales sur lesquelles je demande à tous les gens de bonne volonté de se réunir aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Parce que la présidente de l'Assemblée nationale... François Pupponi, pendant un an, et ça n'a pas marché, pendant 2 ans, ça n'a pas marché. C'est vrai que là, mais je partage votre... le scénario est presque le meilleur pour Marine Le Pen pour 2027. Je n'osais pas aller jusque-là, puisque François Pupponi, qui est un politique expérimenté, le dit. Il est possible que, c'est d'ailleurs, ça serait une espèce de retournement de situation assez classique, que cette rhétorique et cette politique du Front républicain, en empêchant Bardella d'arriver à Matignon, permettent en réalité, par l'ingouvernabilité qui va apparaître, et par le sentiment de frustration chez beaucoup de Français qui en résulterait, peut permettre à Marine Le Pen de préparer assez paisiblement la prochaine échéance présidentielle. Aquiline Nomorel, j'aimerais juste qu'on écoute Gabriel Attal. Il était en déplacement à Senlis cet après-midi. Il a tenté d'expliquer aux électeurs, aux gens qui étaient autour de lui, les consignes de vote qui étaient données par l'ex-majorité présidentielle. Écoutez, dites-moi si vous comprenez. C'est que le premier tour a réglé le sujet d'une majorité dirigée par la France insoumise. Ça n'existe plus et je rappelle qu'au premier tour, on a fait le choix de ne pas présenter des candidats dans certaines circonscriptions, précisément pour éviter l'élection de députés de la France insoumise. Aujourd'hui, l'enjeu de ce second tour, c'est d'éviter une majorité absolue dirigée par le Rassemblement national, qui a un projet aux antipodes des valeurs de la République, qui veut trier les Français, stigmatiser une partie des Français en raison de leur origine. C'est aux antipodes de nos valeurs et ça viendrait alimenter la division dans notre pays et la violence, alors même que notre pays a besoin de rassemblement et d'apaisement. Bon, vous comprenez ce qui a été dit là, Aquiline Nomorel ? Je comprends très bien la dernière phrase qui me parle. La dernière phrase, ok. Mais l'ensemble. Ce qui est de dire il faut empêcher. Oui, on a bien compris. La majorité absolue. Par rapport à cela, il y a des citoyens, ça peut parfaitement se défendre, qui estiment qu'il faut le faire, pour reprendre une formule fameuse, quoi qu'il en coûte. Et il y a des gens qui considèrent que non, on ne peut pas le faire quoi qu'il en coûte. Ce que je crois, vous pensez quoi ? Non, mais ce que je pense, moi, n'a aucune espèce d'importance. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis, je l'ai écrit, donc... Vous l'avez écrit, c'est que le Premier ministre prend position, et c'est bien normal. Tous les responsables des partis prennent position, c'est tout à fait logique. Néanmoins, j'aimerais connaître, si vous voulez, le résultat de ces prises de position chez les électeurs qui vont se décider dimanche. Je ne crois pas que ça fonctionnera très bien. Je ne crois pas. Par ailleurs, par exemple, le surcroît de mobilisation auquel on a assisté au premier tour. Beaucoup de gens ont dit, oulala, s'il y a un surcroît de mobilisation, ce sera mauvais pour le RN parce que ça veut dire que ce sont les modérés qui vont se déplacer. Les études dont on dispose désormais prouvent que non. Prouvent qu'en fait, qui est allé voter en plus? Alors oui, bien sûr, des électeurs de Renaissance du président de la République qui étaient inquiet du vote, mais aussi beaucoup de gens du RN. Donc il y a eu un surcroît de vote. Donc que se passera-t-il dimanche? Moi, je ne le sais pas. Une question d'Alexandre Devecchio, peut-être? Oui, moi j'ai lu votre livre. Je partage tous les diagnostics et vous allez assez loin dans votre livre. Non seulement vous pointez du doigt la faillite du système politique actuel pour différentes raisons, le refus de prendre en compte l'immigration, une politique européenne qui a été pratiquée aussi bien par la droite et par la gauche et qui a privé les Français de leur souveraineté. Et donc la question qui me taraude, c'est que vous dites avoir fait ce livre pour éviter, malgré tout, que Marine Le Pen arrive au pouvoir. En quoi vous, qui êtes plutôt un souverainiste de gauche,
vous considérez que ce serait un drame que Marine Le Pen arrive au pouvoir, puisque dans le logiciel politique du RN d'aujourd'hui, il y a finalement beaucoup de ce qu'était le séguino-chevènementisme ou ce que pensait Charles Pasqua, enfin quelque chose d'assez proche finalement de votre sensibilité politique. Peut-être que c'est un peu dévoyé, peut-être que c'est un peu moins flamboyant qu'à l'époque de Philippe Séguin, mais la philosophie est une philosophie souverainiste de droite. Alors, sur les questions d'autorité et d'identité. Aquilino Morel, votre réponse. Sociale, exactement votre logiciel politique. Ouais. Votre question est judicieuse, elle est très pertinente et il ne faut pas la contourner. Mais d'abord, le souverainisme que vous évoquez et que vous m'attribuez, je ne le discute pas, ben je préfère que ce soit d'autres que Marine Le Pen qui l'exercent. Hein, d'autres, il y a des amis autour de moi, des anciens camarades du Parti Socialiste, mais ailleurs, qui sont capables de le faire. Quel est le problème du vote RN? Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à la dramatisation. Hein, je ne crois pas du tout à ça. Et par ailleurs, je pense que c'est totalement inopérant désormais. La morale, les sermons, le fascisme ne passera pas, etc. Le résultat est là. D'abord, moi, je suis fils d'immigrés et républicain espagnol, donc le no pasaran, je suis bien placé pour savoir qu'en fait, ils sont passés. Donc ce sont des arguments totalement inefficaces. Hein, on est dans une phase où les gens votent en fonction de convictions politiques qui se sont forgées de leur situation personnelle, qui est souvent désastreuse pour ceux qui votent pour le RN, et non en fonction de considérations morales. Alors pour aller à votre question directement, moi, je ne fais pas confiance aujourd'hui à Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que je ne la crois pas antisémite, je ne la crois pas raciste, je ne la crois pas xénophobe sans la connaître. Mais ce que je sais, c'est qu'autour d'elle, il subsiste des gens qui le sont. Alors, vous aurez beau jeu de me dire que ce n'est pas le seul parti dans lequel on trouverait ce genre de dérapage. En ce moment. Et vous auriez, surtout qu'elle est virée au fur et à mesure. Et vous elle est virée son père. Et vous auriez raison. Par ailleurs, ce que je n'apprécie pas chez Marine Le Pen, c'est que j'ai le sentiment, peut-être est-ce injuste, mais c'est ce que je perçois, que loin de vouloir servir les intérêts du peuple, dont elle se targue, en réalité, encore aujourd'hui, elle s'en sert plutôt qu'elle ne veut le servir. Ça, c'est un problème pour moi. Et par ailleurs, on ne peut pas exclure la question évidente du degré de préparation des équipes. Ça ne veut pas dire que le pouvoir et la politique sont réservés aux gens aux qui experts. Pensent qu'ils sont plus intelligents parce qu'ils ont fait des études, ou qui ont fait des écoles qui préparent à ce genre de fonction, ou qui devraient le faire. Mais ça veut dire que quand même, il y a cette difficulté. Enfin, j'ajoute que de la part d'un souverainiste, je reprends le qualificatif que vous m'avez adressé, n'était pas une insulte. Hein. Mais loin de là, même s'il est complètement faux, parce que si je suis souverainiste, alors j'aimerais que ceux qui ne sont pas se revendiquent d'être fédéralistes, ce qu'ils ne font jamais. Mais admettons que je sois souverainiste, encore une fois, je ne discute pas. Mais le projet de la France est aujourd'hui un projet qui s'inscrit, projet national, qui s'inscrit dans l'Union européenne. C'est impossible de faire autrement et ce n'est pas souhaitable. Le général de Gaulle le disait déjà dans les années 60. Oui, mais le RN a changé sa position là-dessus. Certes, vous avez raison, mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la nature exacte de son projet européen. Mais ça, je ne le connais pas. Jean-Sébastien Ferjou, une question. Ce qu'est ou n'est pas le RN, je comprends parfaitement les éléments que vous avez pointés hein, sur la part d'antisémitisme, de racisme qui subsiste et on le voit. On voit, je crois, qu'il y avait aussi un autre fichier S qui a été vu dans l'entourage de Jordan Bardella. Mais est-ce que vous pensez que la gauche est capable de se débarrasser de ce schéma mental qu'elle a institué depuis 40 ans pour empêcher, en gros, la droite d'arriver au pouvoir en feignant de croire que... Non, pas seulement l'extrême droite. Moi, je parlais bien de la droite. Le piège tendu depuis 1904. Oui, la droite a parfois passé, mais enfin, globalement, elle a beaucoup perdu à cause de ça, puisque la gauche a faim de croire que c'était la même chose. Qu'en fait, et là, elle le fait plus que jamais en considérant finalement que l'extrême droite commence parfois même au Parti Socialiste. Est-ce que vous pensez la gauche est capable de se débarrasser de ce schéma-là? Parce que c'est ça qui bloque la politique. Elle n'est pas tout. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Qu'elle est en réalité cantonnée. Parce que le résultat des élections législatives dimanche va peut-être donner une force assez conséquente au nouveau Front populaire, mais ça ne change rien. Au moment d'un choix pour un président de la République, les Français ne voteront pas pour quelqu'un qui est issu ni du PS, ni du PC, et encore moins évidemment de LFI et même des Verts. Parce que la logique de la diabolisation de l'extrême droite, et d'une partie de la droite, mais si la droite est tombée dans ce piège, c'est par bêtise. Oui, et par soumission. Elle a cédé à l'intimidation. Et par soumission. Rien ne l'obligeait, on en a déjà parlé avec M. Revel, rien ne l'obligeait à subir ces oukases. Elle les a acceptées, très bien, elle en paye désormais le prix, qui est le prix de l'effacement, pratiquement, de l'effacement. Mais la diabolisation de ce qu'on appelle l'extrême droite, du RN, du FN auparavant, c'est de 40 ans, 1980, précisément 40 ans, 1984, création
par François Mitterrand, Jean-Luc Bianco, Julien Dray, quelques autres de SOS Racisme, hein, avec ce slogan magnifique, ce n'est pas l'immigration qui est un problème, c'est le racisme. Donc si on dit ça, ça veut dire que l'immigration est un sujet qui sort du débat politique et du débat rationnel. Parce que si vous êtes pour une maîtrise de l'immigration, vous êtes un raciste. 40 ans d'application avec le résultat que nous voyons aujourd'hui. Donc, moi, c'est la faute assez simple. Einstein le disait, la folie, c'est de croire qu'en répétant... Les mêmes causes pour être... Oui, en répétant les mêmes causes, on aura des effets différents. Donc, la diabolisation, ça n'a jamais fonctionné, parce que ça ne répond pas... Parce que Baudrillard, le sociologue, l'a bien dit, le malheur est sourd aux leçons de morale. Bon, quand les gens vivent des situations extrêmement dures, quand il n'y a plus de services publics, dans certains départements, dans l'Aisne ou dans d'autres, qui sont pauvres, que les usines ont fermé, leur dire « vous ne devez pas voter pour des gens qui prétendent vous aider parce que c'est mal », c'est un argument qui a pu fonctionner à une époque, mais qui est aujourd'hui totalement vain. Merci Aquilino Morel. La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, aux éditions Grasset. Merci à tous. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Bonsoir Pierre. Bonsoir.